Nous sommes fiers avec l'agence Papagayo Communication d'avoir créé le premier programme influenceur pour le département des Yvelines. Aujourd'hui, nous accueillons donc nos influenceurs qui ont été sélectionnés puisqu'ils ont une communauté locale et départementale. D'ailleurs, je crois qu'il y en a certains qui se connaissent déjà de certains événements ou de certaines opérations. Merci à tous d'être venus. Donc ensemble, ces prochains mois, nous allons communiquer sur leurs réseaux sociaux, sur les actions environnementales, sociales, familiales ou encore liées à l'éducation, des actions qui sont mises en œuvre par le département et tous ces événements sont mis en place pour les Yvelinois. On va vous faire un petit road trip à travers le cinéma dans les Yvelines et puis à la fin on vous invitera à une projection en plein air le soir. Aujourd'hui signe une nouvelle dynamique pour le département des Yvelines puisque nous nous apprêtons pour la première fois à faire appel à un nouveau genre de leader d'opinion que sont les influenceurs. Car cette volonté de s'associer à des influenceurs pour valoriser l'action départementale émane avant tout d'un groupe projet constitué de membres de la direction de la communication à laquelle j'appartiens en tant qu'attachée de presse. Mais aussi la direction culture, nature et sport. Les influenceurs avec qui nous collaborerons seront regroupés au sein d'une communauté que nous avons choisi de baptiser hashtag Team78 et avec qui nous sommes ravis de collaborer. On a réuni toute la team des influenceurs pour lancer ce programme qui nous permettra de montrer les actions du département sur plusieurs secteurs, que ce soit l'environnement, la culture ou encore l'éducation.